YouTube. YouTube plane. OK, on continue à juicer. Le nouvel album de Dub Inc. est sorti aujourd'hui, 23 septembre. C'est pas aujourd'hui que je vais les poster, ces vidéos-là, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que j'aime pas ça de dire trop tôt d'affaires de date dans mes vidéos, parce que je sais jamais quand je vais les poster. Consciousness means consciously designing your life. Deciding who you are, deciding where you're going to go, and what you really want to accomplish. La conscience, ça veut dire de consciemment dessiner ta vie. Décider de qui tu vas être. Décider où tu vas. Où tu vas aller. Puis ce que tu veux vraiment accomplir. Ce que tu veux vraiment accomplir, c'est ça. Tu sais, quand tu deviens conscient, tu deviens conscient à beaucoup de niveaux, là. Tu sais, moi, j'étais complètement inconscient, là. Complètement inconscient, mais juste l'idée de vivre mon rêve. C'est comme, voyons donc, ça va prendre des moyens extraordinaires. Comment je vais faire ça? J'ai pas l'argent de faire ça. Non, non, tu commences tout ce que t'es avec ce que t'as. Tu fais ce que tu peux. Un petit peu. Tu sais, moi, j'ai pas les moyens, le réseau de contact encore pour me produire partout dans le monde et tout. Mais si je sors pas sur YouTube, puis je m'exprime pas, puis je montre pas ma personnalité au monde, puis je me rouvre pas le cœur, comment voulez-vous qu'il arrive de quoi? Tu trouves le cœur. Bien important de se rouvrir le cœur. De consciemment dessiner ta vie. Tu sais, c'est toi le directeur puis le scripteur de ta vie. Pareil comme moi, là. Tu sais, quand je fais ces vidéos-là, là, ça me fouette, moi, ici, là. Tu sais, quand, parce que je les regarde après puis je dis des choses, là, qui me fouettent, moi, ici, ça me permet... Tu sais, moi, je suis mon fan numéro un, hein, je vous l'ai dit, puis ça me permet vraiment de me rester grandé sur ce que j'ai à accomplir. Tu sais, on est notre propre ennemi. Fait que c'est moi mon propre ennemi, là. Fait que c'est vraiment important de détruire ces démons-là, que je vous disais qu'on en avait, parce qu'on les a tous, ces démons-là. La petite voix en dedans qui dit « Ah, oh, tu vas pas te faire ça, tu vas pas te faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie sur stage? » On a toute cette petite voix-là, hein. Mais tu sais, c'est parce que du moment que tu commences à prendre un momentum dans tes actions aussi, cette petite voix-là, elle meurt. Là. La petite voix, elle meurt parce qu'il n'y a pas rien que t'aide. Parce que cette étape-là, c'est de faire mourir la petite voix dedans qui est pas évident. Moi, je ne l'ai plus vraiment, la petite voix. Là. Il vient essayer de me corrompre. Là. Il est pas mal parti, mais... C'est ça qui est dur, parce qu'on est notre propre ennemi. C'est vraiment pas évident, des fois, de combattre les démons de Babylone. C'est un constant struggle. Tu sais, life is a constant struggle. C'est sûr, si tu reconnais pas... Tu te rends pas compte que le monde souffre. Là, peut-être pas le changer non plus. Faut que tu te rendes compte qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le monde là, pour pouvoir le changer. Là. Moi, je me suis bien rendu compte que wow!
temps que je parle, puis que, tu sais, je suis pas le seul qui parle, il y en a plein, hein, des bands de reggae, là, juste Dub Inc. Dub Inc, là, allez écouter leur musique, là, puis écoutez les paroles. C'est un groupe français de France. Saint-Étienne en France. Moi, c'est un de mes bands favoris. Aussi, là, avec cette histoire de terre plate là, je pense qu'ils ont découvert la vérité absolue. C'est une piste, oui, c'est une piste la terre plate, mais c'est pas la vérité absolue. Là. Hey, c'est bête. Puis comme je vous ai dit, pensez-vous qu'ils vont nous dire toute la vérité là, du jour au lendemain sur un plateau d'argent? Voilà. Plus besoin de vous contrôler, vous savez la vérité. Non, non, ça marche pas de même. Là. Les gens sont tellement hypnotisés qu'ils... Mais c'est aussi l'inculcation satanique hein, qui hypnotise les gens. Beaucoup, beaucoup, c'est l'inculcation satanique qui hypnotise les gens. Parce que... C'est sûr, t'enlèves ça, ces églises-là, puis toutes les religions, puis tous les groupements là, qui sont faits pour voler l'esprit des gens, là, c'est vraiment ça, c'est des steal your mind. Là. Tu sais, t'enlèves ça, puis. Je serais curieux de voir l'état de la conscience, comment que ça changerait ou comment que ça. Ça pourrait prendre un nouveau tournant. C'est juste ça qu'on a besoin. Un new turn. On a juste besoin d'un new turn. Nouvelle façon de voir les choses, nouvelle perspective, nouveau monde, nouveau web. Ouais, nouveau monde. Le monde n'est pas nouveau, le monde a tout le temps été là. Pareil comme la Terre. Tu sais, la shape de la Terre n'a pas changé, ça a tout le temps été la même, là. C'est juste qu'on ne le voit pas. On... Premièrement, c'est sûr que la Terre, c'est un plan étendu. C'est, voyons donc, comment voulez-vous que ce soit carré, que ça va faire, c'est un plan étendu. C'est pas rond, là. Vous enlevez ça dans la tête, là. C'est sûr que la Terre est pas rond, là. Mais, tu sais, c'est jusque où ça va, puis toute la quête. C'est sûr que c'est intriguant. Même moi, aujourd'hui, il y a des moments où je me pose ces questions-là, tu sais. J'ai pas mis mon questionnement complètement de côté. Hein. Sauf que, c'est pas là-dessus que je focus vraiment en permanence trouver la chèque d'affaires, parce que ça va nous prendre des moyens énormes. Faut falloir se mettre. Une gang ensemble, je sais pas, on peut-tu aller assez haut premièrement pour le voir, hein? La shape au complet. Là. Puis y a-tu vraiment une fin, tu sais, y a-tu une fin, y a-tu un début à la Terre? Tu sais, peut-être qu'il n'y en a pas de fin, peut-être qu'il n'y en a pas de fin, ça s'en va à l'infini. Ce qui est fort possible dans mon livre à moi. C'est bon. Mais, en premier, moi, c'est sûr que si je passe ma vie à rechercher des conspirations, je travaille pas sur moi-même. Hein. Je travaille pas sur moi-même. Fait que moi, les Babyloniens ont tout le temps été des Babyloniens. Ils vont rester des Babyloniens, ça changera pas. Fait que je pense pas que... qu'ils vont changer, eux. Là. Tu sais, le monde... Tu sais, c'est sûr que c'est à nous à striver for greatness. Parce que c'est vraiment. Tu sais, c'est vraiment créer un monde pour ne plus rêver, pour ne plus rêver. Hein. Puis du moment que tu montres que tu as un petit peu de feu à l'intérieur de toi, ben, il y a tout le temps des vibrations négatives qui vont venir vouloir éteindre ton feu à l'intérieur.
Fait que c'est pour ça que c'est important de te faire une carapace aussi. De faire une carapace avec ça durant, pendant que tu vis ton rêve, faut vraiment que tu aies de. Faut vraiment que tu aies une carapace dure parce que. Y a pas personne qui va le voir à part toi. Tu sais, y a pas personne qui va le voir ton rêve là à part toi. Fait que si toi tu y crois pas, qui va y croire? Personne. Parce qu'il n'y a pas personne vraiment qui veut voir les gens obtenir ce qu'eux n'ont pas. Hein, la plupart des gens là, sont vraiment brainwashés. Voir les gens réussir, ça me rend heureux. C'est sûr, moi, voir les gens réussir, ça me rend heureux. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. La plupart des gens, le bonheur. Oh, that's gingery. La plupart des gens, le bonheur des autres va les égoutter. C'est clair. I'm out! Rise and shine! Et nous autres, on s'en fout de ce que le monde dit parce que nous, on se lève et on brille. I'm out!